En 2003, j'ai fait poser des prothèses. Et qu'un moment après, c'est-à-dire 6 mois, 4 mois après, je sentais quelque chose qui n'allait pas. Donc je retourne à mon chirurgien et je lui explique. Il a pris de haut. Donc il m'a fait en me disant que il pourrait me l'échanger, mais que je ne porte pas plainte contre lui. Donc moi, je ne savais pas encore qu'il s'agissait des PIP. On est d'accord. Je ne savais pas. Donc il m'a fait une gracieuse, comme il s'est dit, chez Questo. Il m'a fait, voilà, par l'association de Monsieur Mas, par celui-là qui livre les PIP, qui me faisait gratuitement, il me remettait des prothèses. D'accord? Des PIP. Il me remet des PIP. Peu de temps après, il y a une coulure. Et mon chirurgien m'a dit qu'il n'exerce, excusez-moi, mais il n'exercerait plus sur moi. Que si je devais aller voir un autre, ce ne serait pas lui. Et aujourd'hui, je voudrais que toutes les femmes qui ont les PIP, qu'elles souffrent, on est d'accord pour Monsieur Mas, que tout le monde porte plainte contre Monsieur Mas, mais il faudrait porter plainte aussi contre certains chirurgiens. Je ne veux plus des gens comme eux qui tuent des personnes. Il y a eu des morts, je veux dire, il y a des cancers, moi j'ai quelque chose aussi. Je voudrais plus, enfin pas que moi, qu'il y ait des gens comme eux. Ils vendent de la mort.